cette exposition retrace l'itinéraire de l'une des figures politiques les plus marquantes de l'histoire du Maroc contemporain et dont nous commémorons à la fois le 30e anniversaire du décès et le centenaire de la naissance. Elle est composée de plusieurs archives, de documents photographiques aussi, qui illustrent les engagements de cet homme politique. L'exposition est organisée autour de deux grandes phases qui correspondent aussi aux deux grands engagements qui ont ponctué cet itinéraire. Une première grande phase correspond à l'engagement pour l'indépendance du Maroc, dans le combat pour l'indépendance du Maroc, dans la vie de Abdelrahim Bouhamid et son parcours, qui était un moment fondamental. Le deuxième grand engagement, c'est l'engagement pour l'accomplissement de ce qu'on pourrait appeler la promesse démocratique, laquelle promesse avait rassemblé la monarchie d'un côté à travers la figure du sultan Mohamed Ben Youssef et le mouvement national, notamment en 1944, mais après aussi. En restituant les étapes clés du parcours et de l'itinéraire d'Abdelrahim Bouhamid, mais ce que nous avons voulu montrer à travers cet itinéraire, c'est une certaine conception de l'engagement public qu'a incarné Abdelrahim Bouhamid et qui nous semble distinguer la figure du politicien de celle d'un homme d'État réel.